Bonjour Jean-François Gomez, nous sommes à la veille du quart de finale de la Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Uruguay qui se disputera ce vendredi. Une équipe de France qu'on a peu vue, activité média réduite, mais comment ressentez-vous quand même ces bleus et notamment Hugo Lloris et Didier Deschamps qui se sont exprimés en conférence de presse il y a quelques minutes? On les a un peu moins vus effectivement, les entraînements étaient un petit peu plus fermés que d'habitude, on sent cette pression qui monte un petit peu sur un quart de finale qui évidemment prend énormément d'importance pour l'équipe de France. On sait que c'est le stade où elle est bloquée en Coupe du Monde 2014 et on sent que c'est une volonté de faire quelque chose de grand cette année en Russie. Donc on peut comprendre un petit peu cette baisse d'activité média et en tout cas on a senti un entraîneur et un capitaine déterminé à vouloir aller au bout de cette compétition, mais en passant bien sûr ce cap de l'Uruguay. Alors en huitième de finale, ce fut un match spectaculaire contre l'Argentine. Par contre en quart, l'Uruguay, a priori, ça ne sera pas le même type d'adversaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ces Uruguayens? Tout le monde le reconnaît, l'Uruguay c'est une équipe qui sait très très bien défendre, qui prend très peu de buts. Elle a pris un but contre le Portugal en huitième de finale, mais sinon on n'en avait pas pris depuis le mois de novembre. Enfin, c'est une équipe qui sait défendre, on va dire, en groupe, collectivement, c'est-à-dire que les attaquants défendent aussi à la perte du ballon. Et c'est ce qui rend la tâche un peu plus difficile pour les Français. Il va falloir arriver à contourner cette équipe qui sera évidemment très très dure à jouer. Après, on a toujours le doute sur Cavani, mais qui est avec Suarez, qui forme avec Suarez un duo d'attaquants exceptionnel. Mais en tout cas, c'est une équipe très dure à jouer. Alors pour justement déjouer les plans uruguayens, quelle équipe a priori Didier Deschamps devrait aligné, sachant qu'il va falloir remplacer Blaise Matuidi qui est suspendu pour cette rencontre? Est-ce qu'on a une idée de l'identité de son remplaçant? On n'a pas encore l'idée de complète, en tout cas. Il y a des doutes, on imagine que ça peut être Tolisso parce que c'est un joueur qui est mieux et qui est capable aussi de se projeter un petit peu. Donc dans le registre, ça peut être Tolisso, même s'il n'a pas tout à fait le même poste. Et il y a aussi possibilité peut-être d'avoir Lemar, voire Fekir, qui a été aussi évoqué. Ça sera un peu la surprise, mais sinon le reste de l'équipe ne devrait pas trop changer. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que le match est à suivre en direct sur nos sites.